Coucou! Donc me voici pour ce nouveau vlog. J'espère que la précédente aura eu un bel accueil de votre part. Mais en attendant, bah, je commence à filmer des petits rushs. Donc voilà. Donc ce nouveau vlog commence le lundi 15 janvier. Et... Je referai des petits créneaux comme ça, ponctuellement, quand je pense que ce sera intéressant pour vous et des choses à partager sur mon quotidien. Donc, je vous ai abandonné la dernière fois. J'étais en train de faire la veste Oprah de Vicky Sue, donc je l'ai bien continué. Donc hier en fin d'après-midi, je me suis remise à travailler dessus, donc dimanche, et j'ai fait donc les poches, enfin c'est des fausses poches en fait. Il fallait mettre du droit fil partout. C'est vraiment leurs patrons sont, enfin je trouve que c'est très professionnel au niveau des préparations, etc. C'est vraiment... je suis agréablement surprise. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai commencé donc à coudre la parementure de la veste devant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Vous avez vu dans mon petit post, j'ai supporté l'équipe de mon fils de hand. Et il faut y être... 3 heures avant, donc j'ai de quoi avancer dans mes tricots. Donc là, j'avais emmené mon petit tricot, il joue en extérieur. Ils ont gagné, donc ils étaient très satisfaits, très contents. Et donc j'ai avancé sur mon géol. Et donc ce week-end, j'ai bien progressé, en sachant que donc ça c'est le dos et j'en étais ici. Donc j'ai fait tout ça. Voilà, donc je pense qu'il sera pas mal. Bon, le dos et le devant, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Donc là, c'est les emmanchures, en fait. Je suis en train de faire la séparation du dos et du devant. Et j'ai commencé hier soir, hein, j'ai commencé le devant. Voilà. Donc je suis sur cette partie-là. J'ai pas encore commencé le jacquard. Je verrai pour une première comment je m'en sors. En sachant que je veux changer les fils et tout. Il faut que je calcule. Mais je pense qu'il va être sympa aussi. Ça va être un pull sympathique. Donc là, hop, ça descend jusqu'ici. Et là, il va y avoir la partie jacquard qui arrive. Donc ça c'est le dos, mais donc voilà. Et ce matin, je vous dis, j'ai déjà pris des petits rushs, donc vous connaîtrez la suite. Donc je vais vous emmener avec moi ponctuellement, je vous dis pendant un mois, et je vais voir si j'ai de quoi faire une petite vidéo. Et bien écoutez, bonne continuation. Alors, j'ai fini mon sport, mais j'ai changé aujourd'hui, ce lundi matin, et je pense que je vais faire ça tous les lundis matins, de sport de Zoé la modeuse, qu'elle fait en live le lundi soir. Mais comme moi, le lundi soir, je travaille à 18h30, je crois que c'est, et je l'ai fait donc en replay ce matin, et franchement, bien. Donc, je pense faire ça maintenant, les lundis matins. Ça va être... mon petit mise en jambe de sport de 2 semaines. Donc je pense que voilà, mon rythme de sport, je vais un peu l'adapter maintenant. Et je vais faire le lundi donc matin la truc de Zoé la modeuse. Le mardi, généralement, c'est mon personnel trainer le midi. Le mercredi, je pense que je vais faire une pause et je vais rentrer le midi pour être avec mes enfants. Je pense que c'est dans le domaine du faisable. Le jeudi, sport, crossfit à la salle.
Et le vendredi, bah, ce sera à la carte. On va faire ça. Et après, c'est tranquillou. Coucou. Alors, je vais pas vous laisser sur de la peinture Sioux. Je vous ai fait mon petit look final. Je vais me mettre à la lumière peut-être. Donc voilà, c'est mon petit look de tous les jours au niveau du make-up. Et sinon, au niveau de la tenue, ce sera mon sweater numéro 22 de My Favorite Thing. Et putain, le Peaches de Fibre Mood dans le tissu Marquette. Le crêpe de la double laine camel, qui est trop beau en fait. Et d'ailleurs, il y aura certainement un mini haul dans cette vidéo, puisque ou dans un podcast couture, puisque a priori ils m'ont envoyé ma commande. Je suis contente, je vais peut-être pouvoir repartir en repasser. Alors à savoir que je suis pas passée par mon téléphone, je l'ai passé par mon PC. Il doit y avoir un bug quand je fais mes commandes via Tissu Market, hein, parce que c'est le seul site, ou via mon téléphone. Bon. L'essentiel, c'est que je reçois mes tissus. Bon, allez. Coucou. Bon, nous sommes le mercredi. Et en fait, j'ai reçu un autocadeau de avant Noël. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup les boucles d'oreilles un peu alors pas de haute joaillerie, hein, mais j'aime les grosses boucles d'oreilles. C'est une façon pour moi d'agrémenter mes tenues, etc. Et là j'ai reçu donc de je suis sur internet, ça s'appelle Lutum Harlem, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et donc elle fait des bijoux en sorte de résine, etc. Et donc j'ai reçu un petit colis. Je vous mettrai en photo tout ça. Et j'ai reçu en photo les superbes boucles d'oreilles. Voilà. Elles claquent. J'ai bien envie de les mettre aujourd'hui, je pense. Avec le vert là. Elles sont trop belles. Et j'ai envie de me faire un pull dans cette couleur-là. Je pense que ça va être le Golden Sweater de Charlotte Sometimes. Hop. Mais c'est le petit-déj. Hein, donc. Voilà, voilà. Et en cadeau, elle m'a offert celles-ci, qui sont très mignonnes également. Franchement, c'est super gentil. Et le paquet, il était adorable. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Lutum Harlem. Je sais pas. Alors, je vous reprends aujourd'hui, décidément. On ne s'arrête plus. Parce que j'ai enfin reçu le Saint Graal. Tissu Marquette. Donc, je vous montre ça. Obligé. En plus, je suis toute seule ce soir, là, jusqu'à 21h. Donc, j'ai le temps de faire mon petit blabla. Ah, trois coupons que j'ai commandés, dont un que vous connaissez déjà. Donc c'est dans un sac plastique à nouveau. Allez, c'est parti. Alors, le premier, j'ai pris un coupon d'un mètre d'un jacquard, mais ça va être très joli, ça. J'ai pris celui-ci. Il est couleur bleu jean et argenté, beige argenté. Très joli. Donc ça, je vais me faire, mon intention, c'est de me faire le sac Georges dedans. Je sais pas, de Vinny DIY ou un truc comme ça.
J'ai le patron. Il faut que j'achète. D'ailleurs, il faut que je le fasse assez rapidement. Parce que normalement, je pars en vacances et je me dis qu'il va être hyper pratique pour. Donc, franchement, je suis contente. Premier point. Il est beau. Hein. Après, on peut faire aussi une petite veste sans manches. Une petite veste sans manches. Comment ça s'appelle ? Rivoli de Madine Estelle aussi. Avec un jean. Bon, là, ça va pas, mais. Vous voyez, ça va. Ça... Tac, tac. Le jean plus ça, ça c'est top aussi. Voilà. Je vais voir parce que j'ai pris un mètre et je crois que. Qu'il me faut 60 cm, je crois, de tissu. Donc, peut-être que je pourrais faire les deux en jouant à Tetris. Ensuite, j'ai repris. Oh là là, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai repris mon tissu. Ah, ça glisse. Mon double crêpe de laine en camel. Il est vraiment beau celui-là. J'aime beaucoup. Oh, j'aurais dû aller chercher ma règle. Alors attendez, j'y vais. Faut que je m'en serve. Hein, voilà, je suis là. Donc, on va mesurer. J'avais pris donc le jacquard bleu jean à motif argenté. J'en avais pris 1 mètre en quantité. Tintintin, ma belle petite règle. Eh ben, tac, j'ai tout ça en plus. Non, mais c'est de la folie. Hein. J'ai combien en plus? J'ai pas loin de 20 cm en plus. Donc, je pense que ça va faire un sac Georges et une veste Rivoli. C'est quasi sûr. Tac. Ouais. Je mesure toujours les deux côtés. Bon, un petit peu moins là. J'ai 15 cm. Doit être coupé en biais. Donc au lieu d'un mètre, bah 15% en plus. Hein. C'est pas mal. Hein. Oh, je suis contente, je suis contente. Ça y est, c'est Noël encore. Hein. Et donc, le crêpe de laine double épaisseur camel, j'en ai pris 1,75 m, normalement. Ça, c'est pour me faire donc la chemise Billy. Mais, j'ai vu, je vais vous mettre là, j'ai un... Comme je suis en train de faire la veste Oprah, de chez Vicky Sue, j'ai envie de me faire le veston. Donc là, j'ai 1 mètre. Deux mètres. Non, j'hallucine. J'ai presque 3 mètres de tissu. Les mecs, ils se sont trompés, quoi. Alors, est-ce que j'ai encore un coup de canif dans le truc, mais... Putain. Pardon. Non, il est en bon état. Hein. Bon, là, il est coupé un peu à l'arrache ici, mais... J'ai... Hyper généreux, là. 1 mètre. 2 mètres. Voilà, là j'ai 2,90 m pour 1,75 m acheté. Ah, celui-là, il est trop beau. Donc, étant donné que j'en ai beaucoup, il va partir à la machine à laver. Ça, c'est sûr.
Et ensuite, j'ai pris pour faire une doublure, j'avais acheté le tissu costume bleu marine, toujours chez Tissu Market, et je voulais me faire comment ça s'appelle? Un peaches, et dedans, je voulais me faire le... Je me fatigue à pas trouver mes mots. Je voulais me faire le Perfecto de Coralie Béjasson. Je me souviens plus comment il s'appelle. Bon, je vous remettrai la photo. Et du coup, il me fallait une doublure. Et ça faisait je ne sais combien de fois que je tournais autour de celui-ci, qui est un satin imprimé bleu à rayures noires et marron. Et je trouve que le bleu marine avec ça, en intérieur, ça va être magnifique. Il est lourd, hein. Et j'en ai commandé 1m75. Dans la petite règle. Là, j'en ai plus qu'1m75, c'est sûr. J'ai 1m. Et je suis large. Hein. 2m. 2m10 facilement. D'un côté. Il est lourd, hein. J'ai une grosse doublure, mais il va être bien satiné. Mais ça a aussi une Billy là-dedans. Bah, je vais pouvoir 1m, 2m, 2m10. Non, mais pourquoi elles arrivent pas toutes mes commandes Tissu Market? Et je trouve que le bleu me va au teint. Et ça, c'est pareil, le tombé de ça pour Boy Boy. Par contre, je ne sais pas la composition. Ça se trouve, c'est du polyester. Oh, je suis trop contente. Bon, bah ça part à la machine. Par contre, il fait super froid là. L'eau qui va réduire le lainage. Voilà. Non, mais tout est beau. Tout est beau. Et ça, là, je suis effarée. Et je vous mens pas, hein. Attendez, tac, tac, tac. Je vais vous montrer ma commande en métrage. C'est 1m75, 1m, 1m75. 3m, 1m20 et 2m10. Cherchez l'erreur. Donc, merci, merci à Tissu Market d'être aussi généreux, hein, n'est-ce pas? Et je vais tenter de continuer et faire tout ça. J'aurai pas assez de temps pour faire tout ce que je dois faire. C'est le temps me manque. C'est impressionnant. Donc voilà, bah écoutez, à une prochaine. Je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Bonsoir. Alors, je vous reprends, on est dimanche 20 et... 20, non, on est samedi 20 janvier. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait depuis vendredi? J'ai pas fait grand-chose au niveau DIY. Par contre, qu'est-ce que j'ai mangé comme chocolat? C'est pas du tout sérieux, du tout, du tout. Donc voilà. Donc ce matin, bah, je me suis réveillée. J'ai fait ma séance de yoga d'une demi-heure. Et ensuite, je suis descendue. Je me suis réveillée très tard. Je suis descendue voilà, faire quelques... Mettre la maison en ordre, faire quelques ménages et tout. Et parce que je m'étais couchée très tard, parce que j'avais commencé... Le jacquard de mon pull Géol. Donc là, on voit pas trop. Je sais pas si on voit bien. Donc là, je l'ai poursuivi encore. Ça se déroule pas trop mal, on va dire. Donc là, j'ai encore deux tours avec ces couleurs-là. Donc là, c'est un peu chiné. C'est pas franc comme jacquard parce que j'ai conservé le fil noir...
avec le là en belle kaki. Mais bon, je pense que ça va le faire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai été contactée par WooWeArt, donc on devrait avoir dans ce vlog une partie communication, puisqu'il m'envoie des bijoux que j'ai sélectionnés. Ça m'a fait rire parce qu'il y a un mois et demi, il m'avait contacté. Et dans ce que j'avais sélectionné, tout était déjà en rupture de stock. Donc je leur ai dit, vous n'avez vraiment pas besoin de moi pour vendre vos bijoux. Mais comme je les mets vraiment tous les jours et qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Vous voyez, ça c'est WooWeArt et celle-ci, c'est WooWeArt. Donc j'attends un petit paquet dont je me ferai un plaisir de déballer avec vous. Voilà. Ensuite, que vous dire de plus? Aujourd'hui, mon fils a un match important, mais dans la soirée. Donc, on va aller soutenir l'équipe. Voilà. Et là, donc, je poursuis mon jacquard. Je sais pas ce que ça va donner. On avisera, hein. On verra. Et je pense que demain, je ferai de la couture. J'irai dans ma grotte. Là, ça fait un peu chiné, on ne voit pas. On ne voit pas les zigzags. Bon. C'est un test, hein, c'est un test. Et donc, je l'ai essayé, avant de commencer le jacquard, je l'ai essayé. Je vous mets la petite l'insert vidéo et j'aime beaucoup la forme du haut déjà. C'est un bon départ. Voilà. Coucou, bon, nous sommes dimanche 21 et je suis dans mon antre. Ce matin, j'ai fait mon sport, donc j'ai fait la séance de Zoé la maudeuse. Elle était très très bien. Et comme elle, il va falloir que j'aille faire mes racines, d'ailleurs, je viens de voir. Et je suis dans mon antre parce que j'ai continué ma veste au bras. Donc là, j'ai assemblé tout le tweed. Ça y est, j'y suis. Et je viens de voir sur Instagram que la menotte était en train de la réaliser également. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Vicky Sue Oprah, c'est celle-ci. Et donc voici mon... J'ai assemblé toute la partie de la veste. Donc les fameuses pinces. Ça, j'ai réussi. Là, je viens de finaliser... La parmenture qui est ici, je la pose de l'étiquette. Donc aujourd'hui, j'ai fini d'assembler les manches ici. Et on verra tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais avoir possibilité de la finir ce week-end. Parce que j'ai un concert à aller voir de la mise qui est là, là. Attends, tu me filmes sans mon autorisation. Droit à l'image. Et il faut que je lui fasse ses tresses en premier lieu. Allez, c'est parti. On va à la représentation de la Miss. Et c'est la troisième fois qu'on y va. C'est franchement, à chaque fois, on passe un super moment. Il y a des jeunes qui ont des super talents. Bon, je parle pas de ma fille, hein, mais... Bonjour. Bon, j'ai déposé les gars, on est lundi matin je vous ai pas repris hier, donc la soirée, le petit concert était vraiment génial. Attendez, hop, je vous remets un peu plus loin. Et vu que vous me criez à corps et à cri, je vais vous mettre des extraits de certaines personnes, dont ma pouille. Il est où le
mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Franchement, c'était trop bien. On a passé 2h30 fort sympathique et à chaque fois, donc je vous dis, c'est la troisième fois que... Oui, je suis au petit-déj. Troisième fois que qu'ils font ce type de rendez-vous et à chaque fois, j'en reviens enchantée. Donc, top, top, top. Sinon, ensuite... Après les extraits, hier soir, j'ai continué, après la petite soupe du dimanche soir, hier, j'ai continué mon tricot, donc je ne vous ai pas repris. Et le jacquard, ma foi, avance très très bien. Donc j'ai fait la deuxième session de couleurs. Donc je vous rappelle, hein, c'est pour utiliser mes restes. Donc, bon, il n'y a pas trop de fondu, ça va faire des rayures, mais bon, je me dis, il faudrait que... Mais comme j'ai commencé comme ça, je vais laisser en rayure. Donc, voilà, ça se dessine bien. Donc là, c'était donc la nord, le gris foncé, avec la ombelle kaki. Et là, je passe au gris foncé et ombelle kit silk bleu ciel, glacier. Voilà, ça va être le prochain dégradé. Mais franchement, ça le fait. Hein. Donc là, c'est un peu chiné parce que j'avais gardé le fil noir, mais ça le fait. Donc ça sera dans l'autre sens, bien sûr. Voilà, comme ça. Je pense qu'il va pas être mal. Donc le but, c'était pour utiliser mes laines de stock, donc la noire. D'ailleurs, in fine, je ne sais pas si j'en aurai assez. Au pire, je rachèterai de la drop noire. Parce que là, j'en suis à ma quatrième pelote, je crois. Faut que j'aille voir en bas ce qui me reste. J'en ai encore une, j'en avais mis une autre dans mon sac, mais je suis contente. On verra une fois bloquée ce que ça va donner, mais ouais, je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Donc ce matin, j'ai déjà fait mon sport. Là, je prends le petit déj. J'ai Johnny Maman qui nous fait un cake. C'est une tuerie. On est tous accros à la maison. Donc voilà. On va finir le petit déj tranquille. Ensuite, je vais me faire. Ah oui, j'ai acheté ça en cadeau avec mes sous-cadeaux de Noël. Le Current Body Skin, c'est la lumière rouge, les LED. Et bah, ça fait. Je sais pas si on verra les résultats, mais. Ça fait une semaine donc, que je l'utilise. Ils disent qu'il faut l'appliquer 10 minutes 4 fois par semaine minimum. Donc on va voir si ça fait effet. Si ça enlève toutes les petites les ridules, si ça affine la peau et tout. On va voir. Mais a priori,
très bénéfique. Donc, alors c'est à la maison, on se fiche de moi, hein, parce que ça fait très, comment on dit, Daft Punk, le petit robot. Bon, allez, pomponner, c'est un peu mieux quand même. Hein. Donc, aujourd'hui, ce sera, je travaille que cet après-midi, donc ce sera le top froufrou que j'avais hiké avec, j'avais refait les manches et dans le dos, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais il a touk, ouais, ici. Vous voyez, j'ai coupé en deux et j'ai fait une fausse poche de boutonnage. J'ai rajouté des petits boutons pour sur la marinière. Voilà. Donc, je file continuer ma opra. Donc, je pense que je vais m'attaquer à la doublure et je vais mettre un passepoil entre le tissu et la doublure. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai pas recommencé ma opra tout de suite, mais j'ai reprisé. J'avais des coutures qui avaient sauté sur les épaules et les emmanchures de ma Ria. Donc voilà, c'est chose faite. Et je pense que du coup, ma petite tenue du jour en manteau, ce sera le Ria. Je vais le remettre. Par contre, il est immense. J'ai envie de me le refaire, mais je le ferai en XS. Après, c'est peut-être la laine bousie qui s'est détendue. Bon, allez, ça y est, j'ai fini d'assembler la doublure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je file me préparer un petit repas et partir au boulot. Voilà, la doublure est assemblée. C'est ce que je voulais faire ce matin. Ça, c'est fait. Et la veste. Bon, là, il y a mon bazar. J'ai pas encore mis à laver. Et la veste, elle est ici. Elle est assez carrée hein, au niveau des épaules. Et là, il faut que je trouve des épaulettes d'ailleurs pour mettre, arrondir, faire correctement. Je suis rentrée chez moi ce midi parce que j'avais un rendez-vous à proximité. Donc, j'en profite pour faire une vraie pause pour le coup. Et j'ai reçu donc la petite enveloppe Woo We Are, comme je vous disais, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, ce midi, je me suis fait un... Mon mari a acheté, en cadeau de Noël, avec les sous de joli papa et jolie maman, un air fryer, là. Et du coup, c'était pas prévu que je rentre et tout. Et je me suis fait donc une... un petit plat avec des œufs, des épinards, des feuilles de riz. C'était trop bon. Il n'y a pas trop de gras et tout. C'est vraiment... je recommande si ça vous convient. Donc, revenons à nos moutons. J'ai comme je vous ai expliqué précédemment, accepté une nouvelle collaboration avec Woo We Are parce que oui, je porte les bijoux quasi quotidiennement. Là, je reporte, voyez, la petite bague qui est ici, et je me lave les mains, je fais la vaisselle, la douche, je garde hein, je prends pas de précautions particulières. Et donc là, j'ai reçu donc j'ai la facture et ça se présente donc dans une petite boîte comme ceci. La dernière fois c'était pareil hein. Et vous avez les petits sachets en velours qui contient les petits bijoux. Ça pour partir en voyage, c'est topissime. Donc le premier. Ah, c'est les boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. Je vous montre. Alors, elles s'appellent les Mystérieuses. Je les trouve très, très, très jolies. C'est des boucles d'oreilles clous, quoi, en fait. Hein. Alors là, pour le coup, je les ai pris couleur dorée. Parce qu'elles n'existent pas en argenté. Quel dommage. Mais ça va être très, très joli, ça. Elles sont pas trop petites, elles sont. J'aime bien la taille. C'est très joli. Oh, ça confirme mon choix. Donc voilà. Et le deuxième, c'est un bracelet, c'est le Féerique.
Je croyais que c'était tout en argent. Et non, en fait, c'est avec plein de petits strass ici. Bah lui, bah voilà, je vais le mettre tout de suite. Et bah, il quittera pas mon poignet de tout le... Alors ça, mettre un bracelet toute seule, ça c'est quand même... Il est bien, bien blanc, bien par rapport aux autres que je traîne tout le temps. Voilà, il fait partie officiellement de ma manchette. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, il est ici. Il faut que je le resserre. Il se mixe bien. Et dans l'autre sens, il est... Non, c'est bien. Je trouve ça très joli. Bon, bah écoutez, on va voir ensemble comment il vieillit, celui-ci. Mais il se mélange bien au... J'aime beaucoup. Voilà, donc les bijoux Woo Are. Donc je ne vous refais pas le baratin, mais ils font attention où est-ce qu'ils... Oh, ça c'est beau. Ils font attention à la production des bijoux. C'est éco-certifié, là, je sais pas quoi. Je vous aurai tout dans la barre d'informations, mais franchement, enfin, les premiers bijoux, j'avais pas été déçue entre les petites boucles d'oreilles et la bague. J'avais pris quoi d'autre? Ah oui, et j'avais pris d'autres clous que je mets aussi également. C'est juste des petits, comme des petits diamants, mais c'est du zirconium, je pense. Hein. Et franchement, très très joli. Donc, Woo Are, allez-y. Donc, le féerique et les mystérieuses pour les petites boucles d'oreilles. Voilà, c'est pas très long. Hein. Et merci Woo Are. Votre confiance. Je reviens vers vous parce que j'ai reçu une petite commande. C'est les soldes, hein. C'est normal que la période... voilà. Non, en plus, en fait, avec le froid, là, j'ai la peau qui me tire. C'est, j'ai l'impression... Enfin, elle a besoin d'eau, d'énergie, quoi que ce soit. Et je commande... voilà, rapport qualité-prix. Il y a toujours des promotions et je commande une marque française... en ligne et ils ont toujours enfin, je suis toujours enchantée de leurs produits. Normalement, je prends la gamme verte le jour et bleue la nuit. Et là, le jour, j'en avais plus. Et j'ai dit, allez, je vais prendre bah, dans la gamme des Vion, comme dit Sonia Seller. J'ai pris, oui, d'abord, on va dire qui c'est. C'est Pierre Rico. Je sais pas si vous connaissez, mais franchement, allez-y les yeux fermés. Et là, j'ai profité d'un... Comment ça s'appelle ? D'une promotion, parce que je voulais aussi un contour des yeux qui apaise. Et il y avait un échantillon offert dans la promotion que je voulais. Et donc, je me suis pris... la première, c'est la crème rééquilibrante, la Pro Vitamine B5 et Peptide d'Artichaut. C'est une anti-tache, relipidante, anti-rides, peau normale à sèche. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. C'est raccord avec mon pull. C'est des pots en verre. Ils font hyper attention à l'écologie. C'est circuit court. Et franchement, au niveau qualité des produits, c'est topissime. Je vais les ouvrir. De toute façon, je vais les commencer... rapidement. Et voilà, c'est une crème assez épaisse là. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc la première, j'ai pris ça. Et la deux secondes, c'est la jaune. C'est la crème riche à l'extrait d'écorce d'érable et aux oméga 3, 6 et 9, nutrition intense et réconfort. Voilà, tout à fait ce que je voulais. Donc, les oméga 3, 6 et 9 sont reconnus pour leurs propriétés nourrissantes et réconfortantes. Et l'extrait d'écorce d'érable protège des agressions extérieures et empêche sa déshydratation. Bah, ça va être super, ça. Voilà. Et l'autre, j'ai pas lu. Je prends, mais... Provitamine B5, reconnue pour ses propriétés relipidantes, elle nourrit la peau.
Les peptides d'artichaut issus de la feuille d'artichaut, ils exercent une efficacité anti-ride. Ça, c'est bien. Et fraction active de réglisse, issue de racines de réglisse très riche en glabridine, elle exerce une efficacité éclaircissante sur les taches. Ben ça, c'est bien parce que moi, j'ai énormément de taches de soleil parce que je ne mets pas de... Je sais, c'est pas bien. Je ne mets pas de protection solaire en région parisienne. Mais c'est un tort, Marie. Et voilà. Et là, c'est la jaune. Donc, peau en vert aussi. Donc là, voilà, j'ai fait mon petit stock. Donc, je vous dirai lesquelles sont, me plaisent. Et là, j'ai pas celle de la nuit. Là, c'est la bleue. Mais j'adore. C'est vraiment... régénérant et tout. Et donc en cadeau, j'ai eu le petit sublime baume contour des yeux. Pareil, ça va me régénérer tout ça. Et trop mignon le petit pot. Celui-là, il va rester dehors du coup. Et lui, il est à la micro ARN de rose. Centifolia régénérant. Une fraction régénérante de la plus précieuse des roses, corrige intensément les signes de l'âge. Et peptides antioxydants, peptides protecteurs et réparateurs des dommages oxydatifs liés aux agressions extérieures, réduit les signes de l'âge. Bah, avec ça, je vais avoir 5 ans de moins au moins, hein, si ce n'est plus. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et aujourd'hui, j'ai découvert... Alors non, déjà, je voulais vous dire... Normalement, j'en avais pour 94 euros. Et in fine, j'en ai eu pour 48,40. Donc, il faut toujours attendre les promotions chez eux. Et ça, c'est avec le sublime baume contour des yeux gratuit. Donc, je trouve que les prix sont hyper raisonnables. J'ai jamais acheté plein pot chez eux, toujours avec des remises de 40, 50% et plus. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et deuxième point, oh mince, ça s'est éteint, quel dommage. J'ai découvert un nouvelle chaîne YouTube grâce à ByCLM, le top foufrou que je vous ai déjà montré. Une jeune femme, c'est Di Minou, D-2-I-M-I-N-O-U. Elle a six vidéos dessus, je suis déjà à la troisième, je les enchaîne. Elle fait des trucs somptueux. Et elle a un niveau de couture, j'hallucine. Et j'adore tout ce qu'elle fait. Et je trouve ça génial parce que c'est une femme voluptueuse, on va dire, qui fait une taille 48 à 50, comme elle dit. Et elle modernise le truc, comme elle dépoussière la mode. Et je trouve ça génial. Et il y a des patrons que je découvre grâce à elle. Et voilà, c'est quelqu'un que je vais suivre. Donc voilà, petit instant couture dans ce vlog. C'est une nouvelle... je me suis abonnée direct. Hein. Elle est... je ne sais pas depuis combien de temps elle fait des vidéos. Il y a 11 mois, elle en avait fait un sur les trenches. Donc je ne sais pas... playlist créée, 3 vidéos. Ouais, c'est ça, il y a 11 mois et elle est, je vous dis, à 6 vidéos. C'est bien ? Bonjour. Ah. Ah, vous l'entendez. Je rentre du travail, des clients qui sont pas arrivés à l'heure, j'étais un petit peu énervée et je suis arrivée, il y avait un petit colis, donc toujours les soldes, mais colis nécessaire. Donc je me suis dit, bah, je vais leur présenter. Sinon, niveau couture, parce que c'est essentiellement pour ça que vous êtes là, j'ai continué à avancer sur ma Oprah et j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Donc j'ai assemblé la doublure à la veste. Et là, ils disent de coudre des épaulettes. Mais c'est pas l'épaulette qui est droite comme ça, c'est vraiment l'épaulette arrondie comme ça, qui fait les épaules raglans et tout. Bien sûr, je n'en avais pas. Et... Nini, je n'en ai pas commandé, donc je vous montrerai. J'ai trouvé une solution avec mes placards. J'ai mis ce ne sont pas des épaulettes, ce sera des coques de soutien-gorge. Voilà, en mousse là. Et bah écoutez,
Ça fait l'affaire, hein. C'est très bien. Donc je les ai cousus à la main devant qui veut être mon associé un soir. Et voilà, j'en suis là au niveau de la cousette de la veste au bras. Mais j'espère pouvoir la finir ce week-end. Et voilà, vous montrer un petit bout de ça. Ce soir, nous sommes ensemble pour un petit colis de la marque SBR. En fait, donc ça y est, c'est officiel, c'est sûr, je pars en vacances au soleil, transat, ne rien faire, me reposer, etc. Donc je pars avec une amie à Punta Cana. Ça va être trop bien. Une semaine. Et à mon retour, petite virée parisienne avec Sandra. Une autre amie, du coup. C'est pas Sandra qui part avec moi. À mon grand regret, non, mais ce sera bien. Plus tard, on le fera. Et donc, j'ai passé commande parce qu'il y avait, une offre spécifique. Et moi, SVR, j'utilise énormément. Notamment, ce baume démaquillant. Je le trouve génial. Il est doux, il enlève tout. Moi, je mets du mascara waterproof et ça enlève. Ça nettoie. Même, ils disent intolérant, réactif. Il n'y a pas de parfum. Moi, je trouve que ça sent un petit peu la coco. Mais c'est parce qu'il doit y avoir de l'huile de coco. Donc, visage, yeux, lèvres, peau déshydratée. Savez-vous que la pollution et le maquillage peuvent irriter les peaux? Ouais. Donc, ça a en plus le mérite d'enlever, désincruster la peau de toutes ces micro-particules qui sont dans l'air, etc. Donc, je sais que c'est mon petit plaisir du soir, c'est utiliser ce démaquillant. C'est un gel baume qui fait huile et qui se transforme en lait au contact de l'eau. Donc je n'en ai pas pris un, j'en ai pris deux parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup dans celui que j'avais et toutes les pharmacies ne le distribuent pas. Donc je l'ai pris directement sur le site et franchement c'était trop bien. Ensuite je ne me suis pas arrêtée là. Du coup comme je pars au soleil et que par contre je ne m'expose pas au soleil mais j'ai une peau de rouquine et donc je rougis énormément. Et c'est très inconfortable, les coups de soleil. J'ai essayé hein, de bronzer. J'ai bonne mine quand je suis bronzée. J'ai une accumulation de taches de rousseur qui ressortent. Mais voilà, je ne bronze pas. Donc moi, je me mets à l'ombre sur mon transat avec de la protection solaire. Et par contre, j'ai horreur de me tartiner. Et là, j'ai trouvé maintenant, ils font ces protections solaires en spray et j'adore. Donc biodégradable, fraîche et invisible. Elle fait même les enfants et donc c'est une SPF 50. Voilà. Donc j'en ai profité pour acheter ça. Et pour le visage, j'ai pris un stick. Et je me dis, pardon. Et je me dis que si j'ai le courage, je verrai sous le maquillage en ville. À mon retour, si pourquoi pas continuer à l'utiliser aussi également. Donc j'ai pris ce petit stick, hein, mais moi pour une semaine, je pense que ça me suffira. Et j'ai vu ce produit-ci, qui est un correcteur uniformisant anti-tache SPF 30 de la gamme Clérial. Tout type de tâches. Et moi j'ai des tâches de soleil. Hein, ici, j'ai une tache qui est due au soleil, ça c'est certain. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Et en plus, ça me fera une protection solaire. Par contre, ils disent qu'elle est légèrement teintée. Donc, je suis curieuse. Je vais l'essayer là, devant vous. Ah, elle se teinte avec le pH de la peau. Ah, c'est pas mal, hein. C'est vraiment léger, quoi, mais... ça va être bien, ça. Bon, bah, peut-être que j'ai trouvé une petite pépite skincare make-up. Et pourquoi pas l'emmener aussi en vacances
parce que SPF 30, correcteur uniformisant anti-tache. Comme à la plage, je me maquille pas, ça me fera une petite bonne mine. Voilà. Et dernier point, le matin, donc moi je fais vraiment ma... Je nettoie mon visage tous les soirs, je démaquille, je fais double nettoyage en fait. Je me démaquille avec ça, qui déjà démaquille et nettoie. Et ensuite, j'utilise un nettoyant. Donc, soit c'est un Vichy à l'argile, de temps en temps gommant, soit c'est un nettoyant aux AHA que je trouve sur. Comment ça s'appelle ? YesStyle, sur ce site-là. Mais ils l'ont pas tout le temps. Et j'adore, il faut très peu et j'aime beaucoup. Donc le matin, quand je me lève, je me nettoie pas le visage. Je garde, voilà. Et j'aime bien mettre une essence avant les crèmes. Donc j'ai pris, je vais tester cette essence qui hydrate, solution réparatrice hydratante repulpante. Je vous dis là, avec tous les nouveautés skincare que j'ai acheté, au moins 50 mois. Je vise, et si c'est plus, c'est bonbon quoi. Entre les LED, mes bonnes résolutions, on va voir si je m'y tiens, le SPF la journée, ça devrait le faire. Donc voilà, je voulais déballer ça avec vous. Et puis bah, je pense que ce week-end, j'espère pouvoir coudre un petit peu. Et bah là, je vais me poser. On a réservé un petit restaurant à 4 là. Les enfants avec mon mari et un thaï qui est pas très loin de la maison. Et on a pris rendez-vous pour 21h30. Donc là, ça me laisse le temps de me poser sur le canapé. Je vous cache pas que je me suis fait un petit verre de vin. Tranquillou. Quelques chips en attendant parce que j'ai un peu faim quand même. Et je vais reprendre mon Géol Sweater et je vais tricoter, j'espère, un ou deux rangs de jacquard. Voilà, vous savez tout. Et bien écoutez, bonne continuation. Et je me décide à découper mes prochains projets couture. Donc voilà, aujourd'hui je suis sur le bélème de Maison Fauve, mais en version short. Donc là, il a fallu que je redécalque le patron. Donc là, je suis en train de le couper. Et sur la préparation du sac Georges. Voilà. Donc voilà le bazar quand je fais du découpage. Donc vous voyez ici, il a fallu couper et recréer cette partie-là sur le patron. Donc c'est pour ça que je l'ai... J'ai pas coupé à même les feuilles. Il va être vraiment, j'espère, je croise les doigts pour que ce soit top. Coucou, nous sommes lundi 29 janvier au matin. Et donc je suis dans mon antre après mon yoga. Essayer de avancer, voire terminer la Oprah de Vicky Sioux. Donc je suis... J'ai déjà commencé, j'ai relié la manche qui est ici déjà, et puis j'ai dit oups, j'ai pas filmé, donc on va filmer, je vous montre ça. Donc déjà j'ai une colocataire maintenant dans mon antre, ça y est, elle est arrivée, la batterie de ma fille. Et donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Donc hop là, c'est pas trop mal là. Donc là j'ai fait la veste, je suis en train de la finir. Il me reste à faire l'autre manche que j'ai préparée ici. Voilà. Là, je suis en train de joindre devant sur devant. Et ensuite, il y aura tout le bas de la veste à finaliser. Et ce week-end, donc, j'ai assemblée. Donc ça c'est une petite trousse de toilette. J'ai assemblé les patrons du sac Georges et j'ai décalqué et recopié le patron assemblé Bélème, le pantalon Bélème que je fais en short. Et ce sera
Touk, touk, touk. Excusez-moi, ça tremblote. Donc, le Jacques Georges sera dans ce cuir ici. Voilà. Dans ce cuir-là. Ça, j'en ai plein. C'est doux et tout, mais j'aime bien. Il est travaillé avec donc ça en tissu que je vous avais montré. Et je vais, je pense, faire la doublure là-dedans. Et mon Bélème aussi, il sera là-dedans. Mais ça me fait penser que j'ai... Voilà. Je vais utiliser ça en premier lieu. C'est un peu la même chose. Pour le, la doublure du sac. C'est un peu brillant. C'est pas mal. Voilà, c'est une robe chemise que une amie m'a donnée qu'elle ne mettait plus. Je vais la transformer en doublure de sac. Voilà, vous savez tout. Et ça, je le garde pour faire donc le Bélème. Et je pense que je vais me faire un top froufrou dedans également. Nous sommes le mercredi 31 janvier et donc je reviens vers vous pour clôturer ce vlog. Le premier a donc fait son petit bonhomme de chemin. J'ai énormément de commentaires positifs, donc j'ai fait le choix donc de publier cette deuxième version et je pense en faire donc un à deux par mois selon le contenu qu'il y aura dans ces vidéos. Donc je voulais vous remercier et je sais plus si je l'ai dit dans cet opus. On a dépassé les 2000 abonnés sur cette chaîne et vraiment 2000 merci quoi, c'est de la folie, j'en reviens pas. Donc on va poursuivre, je continue mes coutures, je continuerai mes bilans, je continuerai les focus patrons. Mais il est vrai que là, de monter des vidéos en prenant des petits rushs comme ça, etc., c'est hyper confortable, on le fait tout de suite. En plus, moi, je fais tout sur mon téléphone, donc dès que j'ai 2 minutes,
hop, je fais le petit montage. Là, je sais que la vidéo, elle est prête dans... Elle pourrait être prête dans un quart d'heure, je pourrais la poster, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment très, très agréable. Il n'y a pas besoin de se poser spécifiquement, etc. Donc, voilà, peut-être par égoïsme, mais ce format de vidéo risque de revenir plus régulièrement. Mais quoi qu'il en soit, là, je ferai un bilan couture... janvier, février, même si vous en voyez quand même beaucoup dans ce type de vlog. Sinon, vous pouvez me suivre également sur Instagram, je vous le mets ici, n'hésitez pas. Pareil, on approche les 1000, c'est de la folie, je suis ravie et abonnez-vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques, beauté. Enfin bon, là je vais me calmer sur les achats. Mais voilà, suivez-moi et dites-moi ce qui vous a plu, ce que vous préférez dans ce type de vidéo, si c'est la partie... couture, blabla, haul, etc. Vous me faites un petit retour et on échange autour de ça. Et bien écoutez, je vous fais des bisous et puis à très vite. Voilà.